Hier, on a vu ensemble ma commode où je range tout mon bazar de couture. Et là, aujourd'hui, on rentre vraiment dans le vif du sujet parce que je vais vous montrer mon dressing. Alors, il y a une histoire, c'est un des premiers meubles que j'avais réalisé quand j'ai commencé à faire des meubles en carton. Je l'avais fait au départ pour mon appartement. Et quand je suis arrivée ici, ben, en fait, j'ai mis tout ici à niveau. Vous voyez? Parce qu'il y avait des tours qui étaient un peu plus grandes, un peu plus petites, etc. Donc j'ai rajouté des petits bouts de carton au-dessus, en dessous, pour que tout soit bien raccord. Et comme ça, ben voilà, j'ai de quoi faire. Bon, ben là, je range mon petit linge, hein. Là, c'est les petits pulls. Là, c'est les tuniques. Là, c'est les robes. Là-bas, c'est le manteau. Là-bas, c'est le coin de. Ben là, en été, je mets tout ce qu'il y a d'hiver là-bas. Comme ça, c'est rangé dans un coin. J'ai plein d'écharpes, donc elles sont bien rangées. Si vous voulez aller voir ce que j'ai fait, ben, n'hésitez pas. J'en parle un petit peu sur ma chaîne. Au final, c'est pas si terrible que ça à faire, en fait, hein. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais en fait, c'est juste quelques tours. Vous voyez, vous pouvez déjà, si vous commencez, vous pouvez déjà vous faire deux tours comme ça. Vous mettez deux tringles entre. Alors, pour accrocher vos tringles, vous rajoutez des petites choses comme ça. Comme ça épaissira bien votre carton. Et une fois que c'est bon, eh ben, hop, vous mettez vos tringles, vos cintres, et vous avez un super dressing.